Salut à tous, c'est Fabkick. Donc les gars, nous sommes toujours le jeudi 18 avril. Comme vous le savez, aujourd'hui, on a reçu les missions créées par Rockstar en double RP, double XP. Donc les gars, moi je vais faire les missions, on va dire entre guillemets, pour les pauvres, pour les débutants, bah pour celui qui a besoin de pognon. Je vais faire le début, genre je vais vous lancer la mission et la fin. Dans les commentaires, vous me direz si vous voulez que je fasse l'émission entièrement ou que je fais juste la fin. Par contre, voilà, moi ça me plairait de faire toute la mission pour être dans le délire entre vous et moi, et ensuite juste pour la fin, pour savoir combien vous allez toucher. Donc là on va commencer par la première. Donc les gars, elle est super connue, mais tant pis, il y en a des nouveaux tous les jours, donc je suis désolé. Donc les gars, Star en ligne, joue activité créée par Rockstar, et tout de suite vous allez dans mission. Et comme c'est la semaine de mission en double RP, bah c'est parti, il faut faire les missions les plus chiantes en fait, qui payent le mieux. Donc moi je vais les faire une par une, je vais prendre le temps. Quand dès que j'ai 5 minutes, je ferai une mission, je la posterai. Et à partir de celle-là, dites-moi dans les commentaires laquelle que vous voulez pour la suite, et si je fais la mission entièrement. Là je vais juste la lancer et je vais juste vous montrer la fin pour juste donner un aperçu à celui ou celle qui souhaite faire ce genre de mission en double RP, double XP. Donc vous me dites dans les commentaires si la mission je la fais entièrement, et surtout quelle mission vous voulez que je fasse pour savoir laquelle qui est plus intéressante pour vous. Donc les gars, regardez, je le mets direct en difficile, comme ça c'est clair et net, on va toucher le plus possible. Donc là je vais lancer la mission, comme vous le voyez c'est un travail de titan, et là je lance la mission, et dès que c'est lancé je vais couper et je reprendrai juste à la fin. Dans les commentaires vous me direz si vous souhaitez que je fasse la mission entièrement, oui ou non. Donc les gars, pour la mission je vais prendre la Kuruma. Donc les gars, je vous dis à tout à l'heure. Voilà les gars, donc là j'ai repris la vidéo, j'ai terminé la mission. Maintenant le but c'est de ramener le titan du côté de chez Trevor. Donc là je l'ai fait avec la Kuruma. Maintenant autant taper le trajet ensemble et on verra combien je vais me faire. Donc en gros j'ai fait quoi, 12 minutes de mission on va dire entre guillemets. Avec la Kuruma ça va assez vite. Donc j'ai pris la Kuruma pour celui ou celle qui a pas encore assez d'argent pour s'offrir le Buzard, en sachant que le Buzard il est quand même à 0$. Mais cette mission est beaucoup plus facile avec un véhicule blindé. Donc la Kuruma elle est hyper conseillée pour ce genre de mission, donc à travail de titan. Donc là voilà, pour aujourd'hui je vais poster cette vidéo et on verra ce qu'il y aura en retour. Pas en dislike, les dislikes ils ont rien à voir avec vous, donc par rapport à ce qu'il y aura en commentaire, voilà. Donc si vous voulez que je continue, il n'y a pas de souci. Sinon il n'y a aucun souci, moi je m'en fous carrément, moi c'est juste pour vous aider. Donc celui qui ça intéresse pas, il n'y a pas de problème, après voilà. Mais on sait, moi personnellement je sais qu'un travail de titan ça paye pas mal. Ensuite il y a pas mal d'autres missions, c'est pour ça que je demande. Donc là c'est juste un test. Après si vous voulez que je fasse la mission entièrement, là vous allez voir quand je pète un câble ou si tout se passe bien. Par contre si vous voulez directement savoir combien on touche, à partir de là je vous montre le titre et je vous montre la somme que je perçois. Et ensuite c'est là qu'il faudra aller faire, c'est la semaine où vous devez vous faire de l'argent pour celui qui en a besoin. Moi je dis voilà, tant qu'il n'y a pas trop de glitch en solo, de toute façon il n'y a pas de glitch en solo à part le RC Bandito, à part ça, voilà, à part modifier je veux dire ces véhicules à partir du RC Bandito, il y a des glitchs en solo, mais voilà c'est tout. Donc autant profiter, comme moi je profite de ce genre de mission dès que j'ai 5 minutes. Et je vous la partage. Donc en plus je me suis pas fait dézinguer, regardez j'ai mis difficile, il me reste toujours une vie, je l'ai fait tout seul. Donc c'est pour ça moi ça me gêne pas de vous le partager et de vous en faire profiter. Donc là une fois qu'on va dire que la mission admettons elle est finie, on peut la refaire. Donc ça c'est plutôt cool. Donc je sais pas combien je vais me faire, déjà je sais pas combien si je vais me faire, waouh j'ai flippé là, je sais pas combien je vais faire. On va voir, suspense. Ouais, réussi.
Donc voilà, 31 000 de la... bah, 31 000 sort de là. Donc j'ai mis quoi? 12 minutes pour la faire. Bon, on va voir le temps de la vidéo de toute façon. Hein. Ah bah non, j'ai coupé, c'est vrai, je suis con. Donc bah on va voir, en gros, 12 minutes, faut à peu près. Bah là, vous la relancez et voilà quoi. Et puis vous faites ça 3-4 fois par jour. Donc 4 000, presque 5 000 RP plus 31 000 dollars. Donc les gars, franchement, bah voilà. Donc je poste cette vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Et a priori, bah je pense que ça va le faire. Donc là, je repars en mode libre, les gars. Et puis je vous souhaite une excellente soirée. Et puis bah, vous me direz quoi dans les commentaires si vous êtes chaud pour que je partage ce genre de mission. Donc voilà, je sais pas, en gros j'ai quoi fait. Allez, je vais regarder vite fait à l'arrache. Attendez, allez gars, je vais vous le dire ça, je vais vous dire ça. En fait, la mission a duré, la vidéo elle a duré 13 minutes 59. Donc avec la mission, elle a duré ouais 10 minutes. Donc en gros, ouais bah 10 minutes pour faire un travail de titan en solo. Donc c'est ça se prend. Donc voilà les gars, regardez, je me suis fait 31 100 dollars, je me suis fait presque 5 000 RP juste pour cette mission. Il suffit de la relancer en illimité et c'est un genre, voilà, une astuce en illimité pour les personnes qui ont besoin de pognon. Profitez-en, il n'y a pas de glitch en solo comme je vous ai dit. Donc c'est la semaine à se faire pas mal d'argent. Donc les gars, bah, sur ce, bah, c'était Fabkick sur bah, GTA 5 Online. J'espère que cette vidéo vous aura fait super plaisir. En tout cas, vous fera réfléchir bah, pour vous mettre de l'argent de côté pour les glitches à venir et pourquoi pas un petit DLC à venir. Donc les gars, sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à bientôt sur le jeu. Allez, ciao!